Notre reportage se passe dans le village de Pommier de Beaurepaire. On va interroger les habitants du village sur ce qu'ils pensent de la danse. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, moi je m'appelle Patrice Escalès et j'habite à Pommier de Beaurepaire, à côté de l'église. Avez-vous déjà fait de la danse? Oui, j'ai fait, il y a bien longtemps, j'ai fait du rock. Et voilà, je me suis spécialisée dans le rock, j'adorais cette danse. Dans le rock, combien il y a de morceaux à jouer? Nombre de pas? Oui. 5. 1, 2, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc 6. Voilà, c'est ça. Que pensez-vous de la danse? Pour moi, la danse, c'est bien, c'est un défoulement, c'est décharger l'énergie qu'on a dans la journée qu'il faut décharger. La danse, c'est de la chorégraphie, je trouve que c'est du spectacle. Quelle sorte de danse connaissez-vous? Le rock, le slow. Je sais pas. Après, il y a des tas de danses que je vois sur YouTube, hein, mais qui sont très, très jeunes. Je ne me rappelle pas les noms. Du disco. Bon, après, c'est un peu de mon époque, hein. Oui, Ça date. Hein. Toutes les danses. Voilà, non, c'est tout. Je connais que le rock, ouais, le rock acrobatique aussi, j'aime bien. Et ça, voilà, je l'ai dit déjà tout à l'heure. Merci beaucoup. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Non, j'ai rien à rajouter, à part que. Allez, je vais peut-être dire que bah, pour les jeunes, la danse, je trouve que c'est très bien parce que ça permet de se rassembler, d'être en groupe et puis de faire des chorégraphies pour faire plaisir aux parents, pour un beau spectacle. Voilà. Voici quelques pas de K-pop. Et plusieurs mouvements de danse moderne jazz. Et les jeunes aiment aussi la danse classique et les majorettes. Et aussi plein de types de danse. À Pommier, on aime la danse.